tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons faire la suite de l'ouverture du calendrier d'Angela. Hein. Donc nous sommes le 21 décembre. Ça approche, à grands pas même. Et du coup, voilà, j'ai mis mes beaux habits de fête. On a mis le beau tapis de Noël. Et je ne sais plus qui c'est qui m'avait offert ça. Il y a une année, j'avais reçu ça. C'est très joli d'ailleurs. Très très joli. Et donc voilà, alors j'ai mis mon calendrier de l'avant dessus, du coup je l'ai plié parce que c'est un très grand morceau. Et on va faire donc aujourd'hui les ouvertures 18, 19, 20 et 21. Allez, on y va. Alors 18, je cherche, hein. C'est ça qui est marrant, c'est ce qu'il faut chercher. Alors là on a le 19 et le 18 est au-dessus. Voilà, j'ai trouvé le 18. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Waouh! Ah, ça, j'aime bien. J'aime bien parce qu'on en a toujours besoin. Toujours, 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 toujours. Les feuilles comme ça, c'est super. Moi, je suis trop contente de les avoir. Parce que je m'en sers beaucoup, beaucoup dans mes créations. Et bah, comme ça, je ne vais pas devoir les découper. Donc, c'est génial. Il y a toutes sortes. Je vais vous faire voir comme ceci. Vous voyez, il y a toutes sortes de découpes. Hein. Il y en a des, comment je vais dire, perforées. Il y en a des pleines. Enfin, vraiment, il y en a de toutes les couleurs aussi. J'aime bien ces tons-là aussi. J'ai perdu les marrons. Hop. Voilà, il y en a de toutes sortes. Et là, moi, je suis super contente. Super, super contente parce que franchement, c'est vrai que voilà, moi ça me sert énormément les feuilles quand je fais multi-création, multi-carte. Et comme vous le savez, hein, j'aime pas découper. J'ai des machines, hein, mais j'aime pas découper. Je trouve ça fastidieux. Non, c'est surtout parce que j'ai des problèmes de doigts. Voilà. Et donc, toujours avec nos petits chevreuils à l'intérieur. Donc, c'est le numéro 18. On va donc aller au numéro 19. Alors, hop, je tourne et le numéro 19 est là, je l'avais repéré. Je suis une coquine. Ah oui, attendez, je suis hop, déplacée comme ça. Et là, nous avons... Ouh là là! Nous avons... Ah, c'est toi qui l'as fait ça? Non, je crois pas. Hein. Des napperons, comme ceci. Alors, un joli napperon. Regardez comment il est beau. Moi, je ne sais pas toujours sur quoi les mettre. Je suis un petit peu embêtée pour ça. Et là... Là, nous avons plein de pompons. Regardez, plein de pompons. Des petits pompons. Je vous avais fait un tuto, d'ailleurs, sur comment faire les pompons. Des petits pompons, comme ça. C'est pas très dur à faire, hein. C'est assez facile à faire, les petits pompons, comme ça. Alors, orange, c'est pas trop ma couleur, mais pour Halloween, pourquoi pas. Allez. Bah oui, tant qu'à faire, je dis. Je dis. Alors, il y en a des petits, il y en a des grands. Par contre, ça, j'aime bien. Cette couleur, j'adore. La couleur comme ça, cette couleur-là, j'aime bien aussi. C'est, voilà. Après, c'est vrai que on a des créas. Sur les créas qu'on fait, ça peut correspondre à la couleur qu'on met. Donc, c'est en fait, c'est très, très bien. Je suis super contente. Encore une chose que je ne devrais pas faire. Angela, ménage mon petit doigt et je te remercie du fond du cœur, Angela. C'est super, 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 super. Je suis super contente. Alors, le numéro 19, hop. Donc, on va ouvrir le numéro 20 qui est là. Ah, oh, ben ça va. Waouh. Oh, c'est quoi? C'est des étoiles en bois? Le char qui... Ah oui! Oh, c'est magnifique ça! Oh, des petites étoiles en bois! Bon, je vais l'ouvrir. Alors, hop, voilà. Et je vous fais voir. Waouh, c'est génial! Ah, c'est magnifique! On en a des comme ça. Je sais pas si vous les voyez bien. On a des plus grandes, des plus petites, des toutes petites comme ceci. Regardez, je les perds. Ça, c'est génial. Pour mettre sur les créas, c'est génial. Oh, merci.
C'est magnifique. C'est magnifique. Elles sont superbes. Ah ben c'est la première fois que j'en vois des comme ça en bois. Eh ben c'est génial, j'avais pas. Et même si ça ne me sert pas cette année, ça me servira l'année prochaine. Par exemple, bien que on a encore les cartes de vœux à faire. J'en ai pas perdu, non. Et là-dedans, il y a ceci. Et moi, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Si vous pouvez me dire à quoi ça sert, je ne sais pas trop ce que c'est. Il va falloir que je me renseigne. Voilà, ça fait comme... C'est un pic, une pique, hein. Regardez. C'est une pique avec une espèce de nœud au bout. Je ne sais pas à quoi ça sert. Un mystère. Les mystères de Noël. Comme dans les films. Les mystères de Noël. Oh, il y en a tout plein. Vous me direz à quoi ça sert au départ. Bon, pour mettre sur une créa, pas de souci. Hein. Mais je voudrais bien savoir quand même au départ à quoi ça sert. Je vois pas trop. Pour moi, ce sont des pics. Mais est-ce bien ça? On dirait une espèce de bambou. C'est génial ça. On dirait des petits bambous. Ah ouais. Je me trouve un petit peu bête de pas savoir à quoi ça sert. Ben vous me le direz, hein, les copinettes. Voilà. Donc toujours notre petit chevreuil. Donc ça, c'était le numéro 20. On va chercher le numéro 21. Alors, le numéro 21. Le numéro 21. Oui, je tourne, je tourne. Donc, ah, il ne veut pas rester là, lui. Le numéro 21. 22. Ah, il est là. Il est là. Toi, reste fermé, c'est pas ton tour. Ici, numéro 21. Alors, dans le numéro 21, on découvre... Alors, ça, c'est du biais. C'est ça, hein. Regardez, ça, c'est du biais. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle du biais. Alors, je ne sais pas si c'est bien ça, on dirait là. Mais je pense que c'est du biais. Vous savez, pour mettre sur les rebords, comme ça, quand on coud, on met comme ça, et ça finit la bordure. Je pense que c'est du biais. Voilà. Et ben, c'est génial. Encore une couleur que j'affectionne personnellement, j'adore. Moi, le marron et moi, le marron et le vert, voilà, c'est deux couleurs que j'aime beaucoup, marron et vert. Alors, il faudrait que je le laisse dedans. On va le mettre comme ça, voilà. Génial. Et là, nous avons un petit washi avec des petits cœurs. Ils sont jolis, tes petits cœurs. Pour la Saint-Valentin, par exemple. Faire sur des petites cartes de Saint-Valentin. Ah, ils sont trop beaux. Voilà, donc nous avons vers le numéro 21 et nous sommes le 21. Donc voilà. Et ben je suis super ravie, hein. Comme toujours. Hein. Regardez, hop, oulala, j'ai tout mélangé. À part tout trier après. Voilà. On va essayer d'émêler un petit peu. Que je vous fasse tout voir. Voilà nos petits tiroirs du 18, 19, 20 et 21 décembre. Mais peut-être que vous ne les voyez pas aussi. Hein. Ma caméra n'est pas. J'arrive pas trop à adapter comme ça. C'est-à-dire que si je fais ça, vous ne voyez plus le calendrier. Mais là, vous voyez ce qu'il y avait dedans. Donc voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je suis super contente, super ravie. Angela, franchement, c'est super. C'est super. Et en plus, dans ce que tu as fait, il y a beaucoup de, je trouve, de, comment dire, d'écologique. Et donc, c'est très bien. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Mettez un petit pouce pour Angela. Un petit commentaire. Hein, parce que ça fait très plaisir quand même hein, de recevoir des cadeaux comme ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Sinon, moi, je vous dis ben, à très vite pour la prochaine vidéo, pardon, excusez-moi, qui sera le... Attendez, je ne sais plus où on est le 21. Donc, le 24. Voilà.
La prochaine vidéo sera le 24 décembre et je ferai la vidéo de l'ouverture du 25, le 25 décembre. Oui, puisque ce sera le lendemain du réveillon, donc oui, j'aurai certainement un petit peu de temps pour la faire. Un peu fatiguée certainement, mais on aura un petit peu de temps pour la faire. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Surtout, portez-vous bien. Bisous.